Chers internautes, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Université populaire digitale de la Fondation de l'Islam de France. Tout d'abord, je tiens, avant de commencer, à adresser un message de chaleureux remerciements à Chieb M. Nasser qui a récemment quitté ses fonctions à la Fondation de l'Islam de France et à me présenter. Je suis Ella Kadhi et après des études de journalisme et à l'École pratique des hautes études, j'ai intégré la Fondation de l'Islam de France. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Leïla Taouil pour cette nouvelle édition intitulée « Féminisme et mouvement de réislamisation ». Et je vais vous présenter. Donc vous êtes chargée de cours à l'Université de Genève et vous avez réalisé de nombreux travaux sur la question du statut des femmes musulmanes dans les codes du statut personnel et de la famille. Et vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage « Féminisme arabe, un siècle de combat, les cas du Maroc et de la Tunisie » paru aux éditions L'Armatan. Avec nous, bien sûr, le président de la Fondation de l'Islam de France, M. Aleb Benchir. Alors, cher Aleb, c'est en effet une question importante qu'on aborde ce soir, la question du voile, la question du féminisme et des mouvements de réislamisation. C'est des questions qui ont cristallisé les débats en France et de part et d'autre de la Méditerranée, et vous teniez à y consacrer une édition. J'y tiens, bien entendu. Mais nous tous, et à ce sujet, je joins ma voix à celle d'Ella pour remercier Chieb Nasser qui nous a accompagnés dans cette aventure de l'Université populaire, qu'elle fût et qu'elle soit itinérante et en présentiel, on utilise ce mot depuis le coronavirus et sa pandémie, ou digitale comme ce soir. Et à mon tour aussi de remercier Leïla de nous faire l'amitié de venir et de nous édifier par ses propos et ses connaissances. Alors pourquoi que la Fondation tient à honorer avant tout la femme? Parce que ce n'est que mérite. Et en plus, c'est une question de respect de la dignité humaine, et notamment dans sa composante féminine, lorsqu'on voit particulièrement, et en ce moment en Afghanistan, en Iran, le sort des femmes. Ceci heurte notre conscience et nous ne l'acceptons pas. J'ajoute deux autres idées générales et c'est plutôt à Leïla de s'exprimer davantage. La première, c'est qu'on attribue à André Malraux d'avoir dit « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Eh bien, tout comme lui, et en le paraphrasant, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. En tout cas, sa fin sera féminine ou ne sera pas, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement qui a été enclenché et il n'est pas normal de l'interrompre. Et la seconde idée, c'est on ne reconnaît le degré d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune du sort des minorités en son sein. Or, dans une société libre et démocratique, il n'y a pas de minorité, si ce n'est qu'au Parlement. Et la minorité s'appelle opposition. Et parfois, on fait tomber le gouvernement quand on pense que ça n'agit pas comme il faut. Et il n'y a pas de minorité ethnique, religieuse, etc. En revanche, le sort des femmes au sein de ces sociétés est un bon indicateur. Si les femmes sont heureuses, épanouies, formidable, la société est saine, elle est tout aussi heureuse. Si les femmes au sein de ces sociétés sont malheureuses, sont opprimées, sont atteintes dans leur dignité d'être humain, eh bien c'est que la société elle-même est malade. Voilà en gros ce qui nous détermine et c'est sous ces idées-là que nous menons un travail au sein de la Fondation de l'Islam de France. Vous avez bien signalé qu'on allait reprendre l'histoire de ces mouvements et donc on va pouvoir commencer tout de suite en partant des points de départ du moment de la rédaction des premiers traités féministes. On va essayer de décrire ce soir le contexte d'alors, de découvrir l'engagement public des femmes et leur entrée dans un espace qui était réservé aux hommes et de recontextualiser la création des premiers mouvements féministes. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cher Aleb, pouvez-vous nous décrire le contexte de l'époque à la charnière du XXe siècle lorsque les premiers traités féministes sont apparus? Ce sont des choses que Leïla connaît très bien.
Et ce n'est pas à moi d'animer cette édition de l'université. Globalement, après un apogée civilisationnel que certains veulent faire coïncider avec Suleyman le Magnifique ou ailleurs, il va y avoir une terrible régression, une décadence. Et quand les sociétés sont fragilisées, l'élément féminin en subit. Et pour faire vite et rapidement, il va y avoir la fameuse expédition d'Égypte ou la campagne de Bonaparte. Et là, Mohamed Ali se rend compte du retard considérable, l'état d'arriération de la société égyptienne, mais d'une manière générale arabe et musulmane. Et il dépêche, pour faire vite, là aussi, une délégation à Paris, dont l'équivalent d'un aumônier est un Azharien, un Azhari, qui est Raf Arifat Tahtawi, né en gros en 1801. La délégation elle-même va être en 1826, on est au premier quart du 19e siècle. Et là, notre ami Tahtawi va être ébloui et il écrira à son retour l'or de Paris, l'or, le métal doré, l'or de Paris. Talkhis Ubriz fi Talkhisi Ibriz. Talkhis Ibriz fi Talkhisi Ibriz. Voilà le nom en arabe. Après, il va y avoir encore d'autres cas. Aussi étonnant que ça puisse l'être, je le dis dès maintenant comme ça, je ne le dirai pas après, même les promoteurs de la Nahda n'étaient pas tout à fait en phase. Quelqu'un comme Francis Marache tenait des propos qui, de nos jours, auraient pu être considérés comme attentatoires à la dignité humaine. Quelqu'un comme même Abdelrahman al-Kawakibi, qui est pour la modernité, qui est contre le despotisme, qui est pour la démocratie, était plutôt dans une logique de complémentarité au sein du couple et pas nécessairement une égalité foncière, ontologique et juridique entre les personnes par-delà le genre. D'accord. Ouais. Chère Leïla, avec Rifat Tahtawi, on a aussi d'autres auteurs. Est-ce que vous pourriez revenir sur son ouvrage ? Ghaleb en a cité un, mais il a aussi écrit le guide honnête pour l'éducation des filles et des garçons. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous. Alors, comme vient de dire notre ami Ghaleb Benchir, nous sommes au 19e, 20e siècle, dans un contexte animé par le mouvement de la Nahda, qui est un mouvement de renaissance arabe. Ce contexte du 19e siècle en Égypte, mais également dans la région Moyen-Orient, Maghreb, etc., est travaillé par la réclusion des femmes, surtout des femmes issues des milieux urbains et des classes sociales aisées et des classes moyennes, pas les femmes populaires. Et cette réclusion s'accompagne d'un voilement intégral de leur corps. Et c'est un état de fait qui dure depuis des siècles. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas accès aux fonctions publiques et n'ont pas accès à l'éducation. Et les théologiens participent à cet enfermement des femmes. Et par exemple, nous avons le Razali, hein, qui est le grand théologien, qui remet à jour un hadith qui dit que le corps des femmes est awra, est une nudité à cacher. Donc, dans la conception juridico-théologique, le corps des femmes est associé à la fitna, au désordre social, d'où son contrôle et son voilement intégral. Nous avons effectivement ces nouveaux penseurs de la Nahda qui, face
à la supériorité technologique et scientifique des forces coloniales, se pose la question, mais pourquoi sommes-nous dans un état de domination? Et en l'occurrence, ils vont déduire que le fait que la moitié de la société, à savoir les femmes, sont vouées à l'ignorance, à l'enfermement, eh bien, ça participe à la décadence de la société musulmane, puisqu'elle ne contribue pas à l'essor de la société. D'où ce postulat partagé par tous les animateurs de la NADA, pas d'émancipation de la société sans l'émancipation de sa moitié, à savoir les femmes. Et donc, nous avons les premiers traités qui sont en effet masculins, et cela s'explique par le fait de cette réclusion féminine. Et par exemple, nous avons effectivement Refa Tahtawi qui écrit en 1872 Le guide honnête pour l'éducation des filles et des garçons, qui est un plaidoyer pour l'accès égal à l'enseignement des jeunes filles et des jeunes garçons. Il y aura une résistance conservatrice des milieux de l'Azhar, mais c'est un théologien réformiste qui d'ailleurs va initier le réformisme musulman en tentant d'allier l'islam à la modernité, et il va leur opposer des arguments de nature religieuse, à savoir la loi islamique ne s'oppose pas à l'instruction des femmes, puisque les femmes du prophète étaient instruites, dont Aïcha et Hafsa. Nous avons Qasim Amin qui va écrire La libération de la femme en 1899, Tahrir al-Mara'a, où justement il va également dénoncer cet état de fait de réclusion des femmes, en revendiquant une émancipation des femmes, la fin de la ségrégation sexuelle, la fin de la polygamie, etc. Une autre œuvre très importante qui est celle de Taha Haddad, qui a rédigé en 1930 Notre femme, la législation islamique, la charia et la société. C'est un théologien réformiste tunisien qui sort de la Zitouna. Ce qui est très intéressant dans son œuvre, c'est qu'il va analyser le poids de la charia sur la condition des femmes et sur la société. Et il va dire l'islam est une religion réaliste qui doit s'adapter aux évolutions sociétales. Et il va proposer une lecture dynamique des sources scripturaires, en disant que dans le Coran, il y a ce qu'il appelle les vérités éternelles, comme la croyance en l'unicité de Dieu, et les lois muables qui touchent aux relations sociales et familiales, et qui sont des codes culturels du 7e siècle qui ont été intégrés par le Coran. Et il va prendre à bras le corps tous les versets qui touche à l'infériorisation des femmes, le fait que, pour le témoignage, eh bien, il faut deux femmes pour le témoignage d'un homme, l'inégalité successorale, etc. Et il va dire, en réalité, le corpus coranique restitue, il le dit de manière récurrente, un état de fait. Et donc, cette infériorisation des femmes n'est pas liée au sexe biologique des femmes. En cela, il précède la théorie du genre, qui dit que la féminité et la masculinité relèvent d'une construction sociale. Et il va dire qu'il est tout à fait possible de poser une lecture réformiste égalitaire à l'endroit de ces textes, et que ce n'est pas, selon lui, contraire à l'esprit du Coran. Et là où il est vraiment subversif, il dit, comme la loi islamique a décrété l'abolition de l'esclavage, eh bien, cette même loi peut
établir une égalité entre l'homme et la femme dans les pratiques sociales et devant la loi. Et c'est pour ça qu'il va défendre l'abolition de la polygamie, l'abolition de la répudiation, l'égalité successorale qui n'est toujours pas acquise à l'heure d'aujourd'hui, l'abandon du voile. Alors évidemment, son œuvre va avoir l'effet d'une bombe au sein des milieux de la Zetouna. Il va faire l'objet d'une politique de dénigrement, mais il n'en demeure pas moins que son œuvre va avoir un impact historique sur le devenir du statut des femmes en Tunisie, parce que quand Bourguiba arrive au pouvoir en 1956, eh bien, il adopte un code du statut personnel des plus révolutionnaires en se fondant sur l'œuvre de Taha Hadet, en abolissant la polygamie, la répudiation, etc. En 1956. Exactement. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler de la figure de Houda Charlaoui aussi, qui est, elle, une femme et qui a été avant-gardiste sur ces questions? Oui, effectivement, Houda Charlaoui, qui est née en 1879, et qui est issue d'une famille aristocrate, témoigne dans ses mémoires les débats qui ont eu lieu dans les salons du harem dès 1890 sur justement la ségrégation sexuelle, sur le voilement des femmes, sur leur non-accès à l'éducation. Et ces femmes-là se positionnaient pour demander une émancipation. Et en l'occurrence, Houda Charlaoui est considérée comme la figure fondatrice du féminisme arabe parce que en 1923, elle va créer l'Union féministe égyptienne qui va s'engager à revendiquer l'accès des femmes à l'enseignement, l'accès des femmes aux fonctions publiques, les droits de vote. Ce féminisme est pan-arabe, mais a également une vocation universaliste, puisque elle va participer à des congrès féministes internationaux. Et en l'occurrence, en 1923, au retour d'un congrès à Rome, elle va poser un acte subversif, puisqu'elle va se dévoiler publiquement. C'est un voile statutaire qui est lié donc à ces femmes des classes aisées. Et en posant cet acte subversif, sous les applaudissements de ses consorts, elle va s'inscrire pleinement dans son engagement au sein de la société civile et politique. Et cet acte-là va entraîner un dévoilement progressif au sein de l'Égypte, mais aussi ailleurs dans le monde arabe, Moyen-Orient et le Maghreb, puisque l'ensemble des premières féministes abandonnent le voile en s'engageant pour l'émancipation des femmes, tout en étant engagé dans des combats anticoloniaux. Merci, chère Leïla. Haleb, vous citez l'exemple souvent de l'Égypte dans les années 50, où on voyait des femmes dévoilées, et pas n'importe lesquelles, des femmes. Vous pourriez nous donner ces exemples de personnalités Peut-être dans le sillage de ce que disait Leïla à propos de Houda Charlaoui. Oui. On est à un siècle de ce fameux congrès des féministes à Rome, et d'une manière anecdotique, elle a fait le voyage par bateau. Et donc elle accoste pour le retour à Port Saïd, dans sa délégation composée de femmes, ce que Leïla a appelé ses consoeurs. Elle prend un train de Port Saïd au Caire et à la gare centrale du Caire. À ce moment-là, il y avait encore un train qu'on appelait le train Harim, le train Harem, avec un wagon réservé aux femmes.
Et en descendant de ce wagon et du train, dans un geste spectaculaire, elle se dévoile, et les femmes qui étaient avec elle aussi. Les observateurs disent qu'au bout de 3 ans, donc on est en 1926, le voile a quasiment disparu du Caire et ailleurs. Dans la campagne, il n'y était pas parce que les femmes qui aidaient leur mari à labourer, etc., ne s'embarrassaient pas d'une question de voile. En revanche, c'est dans les villes, et notamment au Caire, qu'il y avait un certain voilement des femmes et qui avait disparu. Alors, maintenant, pour répondre directement à la question, je pense que l'allusion est faite aussi à certaines épouses des cheikhs de l'Azhar. Oui, tout à fait. Et notamment un certain Mustapha Ismail, qui était connu comme le grand psalmodieur ou cantilateur, en tout cas celui qui psalmodiait le Coran. Et on voit bien dans les photos connues, je pourrais même vous en montrer une, que sa femme n'est pas, avec le respect que nous avons pour elle, n'est pas une femme dissolue ou mutabarrijat, comme on dit, c'est-à-dire qu'il laisse apparaître dans ses accoutrements un peu légers une part de provocation. Au contraire, c'était une femme respectée, respectable, et c'était la norme, c'est ainsi. Tout le monde connaît l'anecdote où un des frères musulmans avait interpellé le président Nasser en lui demandant d'imposer le voile aux femmes égyptiennes. Et quand je renvoie à nos amis internautes qui connaissent l'histoire ou ceux qui ne la connaissent pas, d'aller la trouver. Et la réponse de Nasser était « Si toi tu n'as pas pu imposer le voile à ta fille qui était étudiante en médecine, comment voudrais-tu me demander de l'imposer à la moitié de la société égyptienne, je ne sais plus combien de millions à ce moment-là. » Donc les choses étaient plutôt réglées, on ne voyait pas, et de grâce, chers amis internautes, nous ne sommes pas en train de plaider pour la dissolution des femmes musulmanes. Ce n'est absolument pas le cas, mais nous ne voyons pas dans les années 60, 70, partout, dans le monde arabe et au-delà, dans le monde musulman, ben des jeunes filles étudiantes ou lycéennes allaient à l'école voilées. Ce n'est que quelque chose de tout à fait tardif et compris et considéré comme une régression. Et je le pense aussi. Donc ce n'est qu'après le triomphe idéologique de l'islamisme politique, des frères musulmans, après l'année fatidique de 1979, la révolution de Khomeini, la surenchère du wahhabo-salafisme en Arabie Saoudite, et puis par porosité, capillarité, je ne sais pas quoi, on se retrouve avec un excès de religiosité dont font les frais plutôt les femmes. Et chère Leïla, justement par rapport à ce que vient de dire Raleb, vous soulignez qu'il existait un féminisme laïque, puisque vous en distinguez 3. Et depuis l'avènement de l'islam politique, durant la fin des années 70, il existe une rhétorique qui consiste à dire, à disqualifier ces féministes laïques en contexte islamique, en les réduisant à un pur produit finalement de l'Occident impérialiste. En quoi il s'agit historiquement d'un double contresens? Vous écrivez que c'est un double contresens. Pourquoi? Il s'agit effectivement d'un double contresens parce que l'ensemble des mouvements féministes, sans exception, qui naissent à partir du début des années 1920-30 au Maghreb, sont des féminismes qu'on peut qualifier de laïcs ou de sécularisés dans la mesure où ils vont revendiquer
des droits inscrits dans une citoyenneté et dans le cadre des revendications nationalistes. Et par exemple, l'association de Houda Charaoui comporte des féministes musulmanes, mais également coptes et juives. Et ces féministes-là, partout, eh bien, elles s'associent systématiquement au mouvement nationalistes de libération qui sont donc contre le colonialisme. Donc on ne peut pas les considérer comme un produit du colonialisme alors qu'elles se battent contre le colonialisme et qu'elles naissent à l'intérieur même des sociétés arabes et des sociétés à majorité musulmane. Par ailleurs, lorsqu'on procède à la déconstruction du discours colonial qui consiste à dire il faut sauver la femme musulmane de la misogynie des hommes indigènes, eh bien, on constate partout que ces forces coloniales, protectorat ou colonialisme de peuplement, ne favorisent nullement le statut des femmes. Au contraire, ils viennent renforcer le patriarcat local. D'accord. Donc, en cela, il s'agit d'un double contresens. D'accord. Et donc, on arrive à la période, on va arriver à la période qui va suivre les indépendances et vous montrer que la situation à ce moment-là, elle est doublement paradoxale concernant le statut des femmes, puisque d'un côté, on a la proclamation de l'égalité des citoyennes et des citoyens au niveau des constitutions, mais qu'au même moment, on va avoir l'instauration dans le code du statut personnel et de la famille de statuts inégalitaires. On peut prendre plusieurs exemples, commençons par celui du Maroc. En quoi s'agit-il à ce moment-là de la codification d'un statut inégalitaire ? Alors, comme vous le dites très bien, au moment donc des indépendances, on a des gouvernements autoritaires qui sont souvent inscrits dans l'idéologie panarabe de gauche et qui vont instaurer une modernisation, mais sans démocratisation. En ce qui concerne le statut des femmes, il y a ce paradoxe d'inscrire l'égalité des citoyens et des citoyennes au niveau de la Constitution. Le cas du Maroc, c'est une constitution qui est établie en 1962, qui justement promulgue cette égalité citoyenne, mais dans le cas du Maroc, en 1957, nous avons la promulgation du code du statut personnel qui est fidèle au rite malkite et qui reconduit l'infériorité des femmes au niveau juridique qui est propre à la charia qui a été élaborée entre le 8e et le 9e siècle et qui entérine le rapport hiérarchique des sexes, et en l'occurrence ici, en se fondant notamment sur le Coran, en légitimant la tutelle matrimoniale, la polygamie, l'inégalité successorale, et justement face à ce paradoxe, eh bien, nous avons les premiers mouvements féministes des après-indépendances qui naissent. Et déjà, à l'époque, nous avons Malika El-Fassi, qui était une des premières figures féminines et féministes au Maroc, qui a créé tout un mouvement de femmes durant les années 30, qui va dénoncer le caractère foncièrement patriarcal du code du statut personnel en revendiquant une réforme égalitaire. D'accord. Et Raleb, est-ce que vous pouvez nous parler du cas de l'Algérie de l'adoption du code de la famille qui, en 1984 Il est vrai que longtemps ce code a été appelé le code de l'infamie et non pas le code de la famille. Parce que ce qui est curieux, c'est que le législateur, à ce moment-là, le législateur algérien est allé au-delà des dispositions
de la charia, encore une fois un mot qu'il faut savoir bien cerner, expliquer, etc. Mais même dans ses dispositions les plus drastiques, les plus défavorables à la femme, là, ce législateur, généralement on dit dans sa sagesse, mais là plutôt dans sa folie, pousse à, par exemple, en cas de divorce, à ce que c'est la femme qui sort du foyer conjugal. Et ça, c'est inique, et c'est foncièrement injuste, et c'est révoltant même. Donc, je ne cite que cet exemple. Et là, des associations de lutte pour le respect des droits des femmes ont dû batailler jusqu'à ce qu'il y ait cette abrogation. Il reste néanmoins une anomalie. Je pense qu'on peut trouver quelques exemples comme ça dans d'autres États dont la Constitution dit que l'islam est religion d'État, qui est encore un autre débat. Je dis systématiquement, je n'ai jamais vu un État jeûner, prier, aller accomplir pèlerinage. En quoi un État doit avoir une religion ? C'est la société, ce sont les administrés, c'est la société qui peut avoir une religion, ou les membres de la société qui choisissent une religion, mais ce n'est pas l'État. Bien, mais dans ce cas précis, on avait, parce que je pense qu'on est en train de réfléchir à cela, la possibilité constitutionnellement parlant pour la femme algérienne d'être premier magistrat du pays, et donc d'être candidate à l'élection présidentielle, mais sur certains points, il lui faut un tuteur, y compris dans des cas de mariage. Elle reste minorée au niveau de l'héritage, ce qu'on appelle la dévolution successorale. Et donc, ces incohérences où le premier magistrat du pays, en l'occurrence première magistrate, et la garante du respect des lois, etc., se trouve être minorée en ce qui concerne le statut personnel à cause d'une compréhension tout à fait erronée de ce qu'on considère être quelque chose de garanti par le divin, une disposition religieuse non négociable. Ben non, revenons à ce que disait Leïla à propos de Tahar Haddad, il y a des compréhensions évolutives des statuts juridiques, il y a des vérités dites immuables qui concernent, en tout cas pour le croyant ou la croyante, sa relation à Dieu, les actes d'adoration, etc. Mais en ce qui concerne l'évolution des sociétés, il faut laisser cela à une émanation rationnelle des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes, pour trouver la meilleure façon de régir la société pour le bien de tous. Merci, cher Alep. Et puis, on va aussi traiter le cas de la Tunisie. Le président Habib Bourguiba avait développé ce qu'on a appelé un féminisme d'État dès l'indépendance en 1956, à travers notamment l'adoption du code du statut personnel. Mais vous expliquez dans votre livre que Habib Bourguiba finit par renoncer en 1974 à son projet relatif à la modification de la loi successorale. Et donc, quelles ont été les conséquences et pourquoi ce recul ? Oui, alors effectivement, Bourguiba, qui était un président autoritaire, mais qui a véritablement adopté ce qu'on peut appeler un féminisme d'État, et ce, à travers ce code du statut personnel révolutionnaire, hein, il a été le plus loin. Les femmes en Tunisie jouissent de plus de droits par rapport à leurs consorts arabes. Et il ne s'est pas limité à ça. Il a adopté une politique d'émancipation des femmes à travers l'enseignement généralisé pour les filles et les garçons. Dès 1957, il leur a octroyé le droit de vote dès la fin des années 50. Il a mis sur place un planning familial. Il a octroyé le droit à l'avortement pour toutes les femmes en 1973, avant la France. C'est vraiment
révolutionnaire. Mais durant les années 70, il commence à se sentir menacé par les forces démocratiques de gauche et les marxistes notamment, qui remettent en question la légitimité de son pouvoir. Et face à cela, il va adopter une stratégie qui est adoptée par l'ensemble des gouvernements arabes et musulmans, qui consiste à favoriser, à soutenir les mouvements fondamentalistes. Et par exemple, en Tunisie, il s'agissait d'un mouvement qui sera le noyau de l'islamisme de sauvegarde du Coran, pour qu'il soit une force d'opposition aux forces démocratiques, parce que les islamistes se fondent essentiellement sur l'application de la charia, en considérant qu'il s'agit d'une valeur endogène, entre guillemets, en disqualifiant la démocratie, considérée comme le fruit de l'impérialisme occidental, exogène, et donc favoriser les mouvements fondamentalistes contribue à contrôler les consciences et les attitudes à travers le religieux. C'est ce qui fait le gouvernement, parce qu'en général, jusqu'en 2014, il n'y avait pas de la liberté de conscience. Donc on instrumentalise les mouvements islamistes qui, partout, à partir de la fin des années 70, deviennent une force sociopolitique montante. Et il s'agit véritablement d'une politique programmée. Hein, cette émergence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés travaillées par l'islamisme et par le phénomène de la réislamisation. Et c'est pour cette raison-là qu'en 1974, il va abandonner son projet de modification de la loi successorale dans une perspective égalitaire. Alors d'aujourd'hui, l'inégalité successorale est toujours d'actualité. D'accord. Merci. On arrive à la troisième partie de cette édition qui va se concentrer sur l'islamisme, la réislamisation et le revoilement à partir de la fin des années 80, puisque à partir de la fin des années 80, vous parlez d'un changement du cadre paradigmatique et vous expliquez que les acteurs de la réislamisation, vous pourrez nous définir le terme, prônent le voilement obligatoire du corps des femmes et leur assignation à leur rôle premier en qualité d'épouse, de mère dans l'espace privé. Et donc ça va rendre le combat des féministes arabes bien plus difficile. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est le mouvement de réislamisation à ce moment ? Oui, mais peut-être pour justement respecter l'évolution historique, il est important de souligner qu'après les indépendances, comme nous sommes dans des sociétés travaillées par le panarabisme de gauche, il y a des forces démocratiques, il y a des mouvements syndicalistes, il y a des mouvements des droits humains, et il y a des puissants mouvements féministes, que ce soit en Tunisie, au Maroc, mais également ailleurs. Et souvent, ce sont des mouvements féministes laïques ou sécularisés. On a par exemple la puissante association tunisienne des femmes démocrates, qui naît justement durant les années 80, mais on a également l'Association démocratique des femmes du Maroc, on a également l'Association pour la promotion des droits des femmes en Algérie, et par exemple, ces femmes-là qui sont issues de la société civile vont systématiquement revendiquer l'égalité, mais avec l'impératif de la démocratie. Elles sont des actrices de la démocratisation. Et par exemple, nous avons une expérience formidable à souligner en 1992, où ces féministes qui travaillent respectivement dans leur pays
pour dénoncer toutes les formes de discrimination, mais également pour accueillir dans des foyers les femmes violentées, les mères célibataires, etc. Donc elles font vraiment un travail extraordinaire au niveau de la société civile, tout en faisant un travail de lobbying politique pour qu'il y ait des réformes égalitaires. Eh bien, on a une expérience des féministes algériennes, marocaines et tunisiennes en 1992 qui s'appelle le collectif 95 Maghreb Égalité, qui s'attelle justement à produire tout un travail qui s'appelle le guide de l'égalité dans la famille au Maghreb. Ils produisent 100 mesures qui consistent à harmoniser les conventions internationales contre l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, avec les lois internes, et en l'occurrence en se fondant sur la référence universelle des droits humains, mais en développant des argumentaires qui sont liés à la contextualisation des doctrines juridiques islamiques. Donc il faut un travail qui s'inscrive dans la pensée de Taha Haddad, qu'il cite, avant même le féminisme islamique. Ce sont des féministes sécularisés qui, en primauté, se fondent sur le référentiel universel des droits humains, mais contexte islamique oblige, eh bien, ils travaillent également sur le référentiel religieux. Ils vont également développer un argumentaire sociologique sur l'évolution sociétale, le passage de la famille élargie à la famille nucléaire, et puis évidemment un argumentaire juridique en faveur de l'égalité totale et indifférenciée fondée sur référentiel des droits humains. Dans ce contexte-là, à partir donc de la fin des années 70, début des années 80, nous avons l'émergence de ces mouvements islamistes qui prennent pour cible les femmes dans leur discours en prenant le port du voile obligatoire qui va s'élever dans certains discours au sixième pilier de l'islam, pour y revenir si vous le souhaitez en détail. Ils vont s'opposer systématiquement aux revendications égalitaires des féministes. Ils vont porter un discours assignant les femmes à leur rôle dit naturel de mère et d'épouse en les assignant à l'espace privé et en disqualifiant ces féministes-là qui devront, en plus de combattre l'inégalité qui est un combat universel, faire face à cette délégitimation islamistes de leur posture en disant qu'ils sont le pur produit de la rhétorique classique occidentale, alors qu'ils naissent bien au sein des sociétés arabes et musulmanes pour dénoncer des inégalités institutionnalisées au sein des sociétés qui sont produites en partie par la charia, et à ce que je sache, la charia n'est pas occidentale. Oui, ce serait bien, comme vous l'avez proposé, de revenir sur le moment où il va y avoir la création du postulat du voile religieusement obligatoire à ce moment-là. Alors, si on revient, par exemple, dans le cas de l'Égypte, qui est la terre mère de l'islamisme, on voit que jusqu'au début du XXe siècle, eh bien, les femmes portent un voile traditionnel, les femmes, comme je l'ai dit, des milieux urbains. Au Maghreb aussi, elles portent ce drapé qu'on appelle le haïk ou le safsari. Et c'est un voile social qui n'a pas un argumentaire religieux qui l'accompagne. Face au dévoilement des premières féministes qui provoquent un dévoilement progressif, pourquoi les femmes féministes se dévoilent? On peut se poser cette question-là. Eh bien, elles comprennent l'enjeu politique du
corps des femmes dans l'espace public. Mmh. Elles comprennent que pour s'inscrire dans une pleine égalité, eh bien, il ne faut pas qu'elles subissent une contrainte vestimentaire qui vise à contrôler leur corps et leur sexualité, puisque les hommes ne font pas l'objet d'un voilement et d'un contrôle de leur corps et de leur sexualité. Donc, elles se débarrassent du voile, que ce soit des féministes laïques ou des femmes également théologiennes. Et à ce titre, par exemple, Shira Ben Marat, c'est une Tunisienne qui est la fille d'une autorité religieuse, comme Malika El Fassi. La fille d'une autorité religieuse, elle se dévoile, ne font pas l'objet d'une disqualification religieuse. À partir des années 1980, nous avons le succès de l'islamisme à la suite de l'échec du panarabisme qui s'accompagne d'un voilement massif. Hein, société égyptienne, si vous regardez les archives des années 40, 50, 60, 70, la grande majorité des femmes marchent tête nue. Pourtant, il n'y a pas une remise en question de la question dite de l'honneur. Il n'y a pas eu ce mouvement de libération sexuelle, etc. Il y a un respect de ce code de l'honneur à évidemment dénoncer par les féministes et par les tenants de l'égalité. Mais néanmoins, elle retire ce voile et les islamistes font de la question du voile leur fer de lance. D'ailleurs, comme Raleigh Puncher nous l'a bien dit, Hassan al-Benna, une des premières revendications qu'il fait, c'est le voilement du corps des femmes. Les chefs de la délégation des frères musulmans face à Nasser demandent à ce qu'il y ait un voilement des femmes. Mais à partir des années 80, les islamistes occupent le champ de la prédication, le champ également médiatique, télévisé, et il y a ce postulat du voile obligatoire qui est diffusé à grande échelle et d'une manière récurrente. Oui. C'est-à-dire qu'on va considérer que la bonne musulmane est une femme voilée et pudique, versus la femme dévoilée est impudique et pécheresse. Oui. Hein? Et il y a par exemple le ténor des frères musulmans Youssef Al-Qardaoui qui va occuper une émission dans la chaîne Al Jazeera qui est suivie quand même par des dizaines de millions de téléspectateurs, qui va diffuser ce postulat du voile obligatoire en assimilant les femmes non voilées à des futures habitantes de l'enfer. Nous avons aussi cette disqualification islamiste des femmes non voilées, les motabarijat, donc des femmes aux mœurs légères, qui entraînent un voilement généralisé, tant de la part des militantes que de la part des femmes ordinaires. Alors, chose également très importante, Al-Azhar va se frériser aussi. Alors qu'avant, les dignitaires théologiens sortis de l'Azhar pouvaient s'afficher avec leur épouse et leur fille non voilée. À partir des années 80, la question du voile devient centrale. Et par exemple, le grand imam Mohamed Sabuni dit en 1990 que l'obligation du hijab est égale à l'obligation de la prière et du jeûne. En d'autres termes, le voile devient le sixième pilier de l'islam. Jamais aucun juriste théologien médiéval n'est arrivé à cette conclusion. Donc il n'est pas étonnant de voir qu'il y ait ce phénomène de voilement massif, parce que les femmes croyantes se sentent
dans un rapport d'inobservance par rapport à ces dites obligations et se sentent culpabilisés. Donc il est tout à fait normal que, par le biais de ces discours, parce que c'est cet activisme islamiste qui a créé ce phénomène du voilement masqué. Sans cet activisme, le voile aurait été un phénomène totalement marginal. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les islamistes ont ce projet de société basé sur la charia, mais aussi sur une morale sexuelle qui vise à réorganiser les rapports genrés sur base justement de cette morale patriarcale. Et dans la philosophie du voile, eh bien, les corps des femmes et des hommes sont réduits à une sexualisation excessive. C'est-à-dire que les femmes sont considérées comme des objets de désir à dissimuler et les hommes comme étant des êtres incapables de contrôler leur appétence sexuelle. Oui. Et ce que je pourrais dire également, c'est qu'en réalité, les islamistes instrumentalisent bon gré mal gré le corps des femmes voilées qui deviennent le porte-drapeau de la réussite de l'idéologie islamiste à l'échelle mondiale. Et justement, Raleb, est-ce que vous pourriez nous dire, selon l'exégèse coranique, à quoi renvoyait cette injonction ? Parce que vous avez l'habitude d'insister sur le fait que c'est qu'à la base, il avait une fonction exclusivement de distinction sociale. Et même s'il devait avoir aussi une vertu de pudeur, ce qui était considéré comme relevant de la pudeur à un moment donné change aussi selon les contextes. C'est vrai, il y a trois ou quatre petites choses d'une manière très brève. D'abord, cette institution du voile, ou les deux versets qui en parlent, puisqu'il y en a un troisième qui en parle autrement, c'est le fameux verset de la sourate 24, aux alentours de 60-62, qui dit, une dans ses traductions, « Et celle qui n'escompte plus aucun mariage ne sera point blâmée si elle n'était pas voilée. » C'est une des traductions possibles. C'est à ma manière de traduire al-qawaid, celles qui sont assises, mais pas assises au sens... Allez, pour faire simple, celles qui sont ménopausées. Mais bon. Donc, celles qui n'escomptent plus aucun mariage, voilà une traduction un peu plus imagée, ne seront point blâmées si elles n'étaient pas voilées. Ce verset n'est quasiment jamais cité, à supposer qu'il faille s'enchaîner à la référence scripturaire. Mais on a encore deux autres versets qui, finalement, n'ont jamais fait l'objet d'une telle focalisation que ces dernières décennies. Et puis, nos amis islamistes, si je puis dire, brandissent toujours un hadith, le fameux hadith de Asma. Mais tout ça est une affaire, avant tout, de statut social. Parce que soit ils le savent, et c'est embêtant parce qu'ils le dissimulent, soit ils ne le savent pas, donc ils le découvrent, ben le calife Omar, Khalifa Omar, le calife Omar a battu, c'est pas bien de battre une femme, c'est pas bien de battre quiconque, mais a fortiori une femme, et surtout de nos jours, a battu une femme, Ama, parce qu'elle est de basse extraction, puisqu'elle a osé se voiler. Il lui dit, mais ce n'est pas pour toi. Il ne lui a pas dit, ne jeûne pas, ne prie pas, ne t'acquitte pas de l'aumône, si tu as les moyens. Ça répond à ce Sabouni qui, finalement, le calife Omar ne lui a pas dit, ne fais pas ça. Au contraire, tu continues à jeûner, à adorer ton Seigneur, à prier, mais ne te voile pas parce que ça ne te concerne pas. Et puis, dernier exemple, peut-être que nos amis ne connaissent pas et j'ai senti que Leïla veut dire quelque chose, c'est le voyageur Ibn Battuta. Dans sa rihla, dans sa relation de ses voyages, rapporte qu'à Shiraz, les femmes se voilaient. C'est-à-dire que pour qu'il l'écrive et qu'il en parle, c'est que pour lui c'était extraordinaire. Alors qu'il était marocain. Alors qu'il venait de Tanger.
Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que les femmes musulmanes en Inde, rien ne les distinguait des femmes de l'hindouisme, donc elles portaient le sari. Et les femmes musulmanes subsahariennes portaient le boubou. Ce voilement quasi idéologique, je peux même enlever le quasi, et qui est devenu ici en France même un marqueur identitaire pour certaines jeunes filles. Et plus grave encore, nous avons appris récemment qu'à l'université d'Alger, l'université des sciences et de technologie Ouali Boumediene, l'USTHB, il y avait des séances de voilement des filles, des jeunes étudiantes, un peu comme une dérive sectaire, et avec des pleurs, de l'émotion, etc. Alors que Cheikh Abdelhamid Ben Badis, mort le 16 avril 1940, dans ses instituts à lui, ben les institutrices n'étaient pas voilées. Il était guide spirituel du scoutisme islamique. Les jeunes filles scouts étaient en jupe et les garçons étaient en bermuda. Donc il faut arrêter avec cela. La fille de Cheikh al-Bashir Ibrahimi, Rachida, n'était pas voilée. La fille de Cheikh al-Arbit Bessi n'était pas voilée. Et donc, aussi bien les étudiantes ou les élèves que leurs institutrices ne le sont pas. Nous avons encore des photos qui montrent Cheikh al-Bashir Ibrahimi entouré de femmes respectées, respectables, rayonnantes et belles. Et surtout, l'important, c'est l'acquisition du savoir. Et c'est ce qu'il faut. Merci, Charles. Leïla, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, j'aimerais, par rapport à cette question-là, peut-être citer les sources pour bien faire comprendre comment ce symbole de distinction sociale dans l'exégèse médiévale est devenu une obligation religieuse et comment finalement ce voile est une pure création de l'islamisme. D'ailleurs, certains l'appellent à juste titre le voile islamiste. Comment les islamistes justifient justement cette obligation ? Ben, ils citent effectivement ces deux versets coraniques sur 6236 versets qui ne mentionnent nulle part la couverture de la chevelure, à savoir le verset 59 de la sourate 33, « Prophète dit à tes épouses, à tes filles, aux femmes de croyants de revêtir leur mante, jalala bibihinna, donc c'est une montre, sur moyen d'être reconnu et d'échapper à toute offense. » Donc on voit bien là qu'on est dans un contexte d'agression. Oui. Le deuxième verset, qui a été cité par notre ami Raleb, c'est justement « Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qu'il en paraît et qu'elles rabattent leur voile, sur leur poitrine. » Donc la seule partie qui est mentionné dans le Coran, c'est la poitrine, verset 31 de la sourate 34. Le fameux hadith face à ce silence coranique qui est cité, c'est le hadith de Asma, qui pour le citer, dit « Aïcha rapporte Asma bin Abu Bakr entra chez le prophète habillé de vêtements légers. Le prophète se détourna et lui dit « Asma, lorsque une femme est pubère, on ne doit rien voir d'elle sauf ceci et cela. » Il désigna son visage et ses mains. Abu Daoud, qui rapporte ce hadith, dit « Cette chaîne de transmission est interrompue. » Donc ce hadith, il est daïf. Il faut savoir que les juristéologiens médiévaux se sont fondés sur un hadith daïf pour couvrir le corps des femmes libres. Et les islamistes et les théologiens conservateurs et orthodoxes qui sont également pour le voilement se fondent sur ce hadith. Or, pour couvrir le corps des femmes dès la puberté, hein. Or, dans la logique chariatique, on se fonde normalement que sur des versets explicites ou des hadiths authentiques pour produire une norme religieuse. Par ailleurs,
le voile dans l'exégèse coranique est explicitement un signe de distinction sociale. Il y a Ibn Kathir qui le mentionne, il y a le fameux Tabari qui dit à propos du verset 59 de la sourate 33, « Portez la mante montre aux hommes qu'elles ne sont pas des esclaves, ce qui leur éviterait d'être blessés par un dire ou un exposé à une convoitise malsaine. » Et comme l'a dit également Raleigh Benchir, Ibn Taymiyyah a dit, la grande référence notamment des salafistes, a dit « Le voile est spécifique aux femmes libres, à l'exclusion des esclaves. La pratique des croyants du temps du prophète et des califes était ainsi que les femmes libres se voilent, tandis que les esclaves restaient découvertes. Lorsque Omar ibn al-Khattab voyait une esclave portant le voile, il la frappait en lui disant « Saute, tu t'habilles comme les femmes libres. » C'est dans Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Il faut savoir que ces sources sont occultées. Par ailleurs, ceux qui assimilent le voile à un acte de foi, ben c'est également démenti par les sources scripturaires médiévales. L'imam Malik, qui est quand même le fondateur d'une des quatre écoles, dit à propos de la servante qui prie sans voile, telle est sa tenue habituelle. Et ça, c'est dans Al-Mudawwin al-Kubra. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs islamistes qui ont pour projet le voilement du corps des femmes pour contrôler leur corps et rendre visible l'islamité et leur idéologie, occultent totalement ces sources-là pour asseoir l'idée de l'obligation du voile, alors qu'il n'est mentionné nulle part dans le Coran. Mais à côté de ça, ils sont majoritairement d'accord, en dehors des djihadistes, de historiciser des versets explicites appelant au combat. Comme le fameux verset 29 de la sourate 9 qui dit « Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir » combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour du jugement l'an dernier. Donc on voit bien là qu'il y a un rapport à géométrie variable. Oui. Parce que justement, vous avez finalement tous les deux démontré que c'était un signe de distinction sociale entre les femmes libres et les femmes esclaves. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous posez une question qui est intéressante et que je vais lire. Pourquoi les juristes théologiens ne prennent-ils pas en considération l'absence des éléments d'application du verset relatif au voile islamique, à savoir l'inexistence actuellement du statut juridique de l'esclave? Est-ce que vous pourriez expliciter cela? Justement, le fait qu'aujourd'hui, les islamistes, qui sont des minorités agissantes, mais qui dominent les espaces de la prédication et les espaces médiatiques, et sont donc une expression majeure de l'islam contemporain, eh bien, ils occultent sciemment ces éléments-là, parce qu'ils savent pertinemment que dans la logique chariatique, en l'absence des éléments d'application, ici en l'occurrence l'abolition de l'esclavage, une pratique tombe. Et en cela, je me pose une question. Nous sommes en France où le débat existe depuis une trentaine d'années. Nous avons des théologiens quand même réformistes, nous avons des imams, notamment des femmes imams, qui savent pertinemment que cette question du voile n'a aucun fondement théologique. Mais pourquoi, dans ce cadre libre, il n'y a pas l'organisation d'un débat intracommunautaire? Moi, je suis chercheur profane, je prends pour objet d'étude l'islam. Ce que j'écris a très très peu d'impact, mais les personnes croyantes ont besoin d'une légitimité religieuse. Donc, pourquoi il n'y a pas de colloque invitant les acteurs salafistes, fréristes, qui défendent le port du voile, pour justement se battre sur le terrain des arguments et des sources et non pas sur le terrain idéologique assimilant l'opposition du voile au racisme, au postcolonialisme, etc., qui n'a également aucun fondement. Puisque le voile n'est pas une couleur de peau et les musulmans ne naissent pas avec un voile. Souhaitez-vous réagir à cette question? Le temps des questions avec les internautes est arrivé, mais je dis deux choses très brèves. Mais comme on a eu l'occasion de le dire ici et ailleurs, je vais être très très concis. D'abord,
ce qu'on appelle une lecture vectrice ou vectorielle ou finaliste des versets coraniques nous font dire que le passage qui dit, en gros, recommande aux croyantes de ramener sur elles leur mante afin d'être reconnues pour ne pas être offensées, donc le but et la finalité, c'est de ne pas être offensées. Le lendemain des attentats du 11 septembre 2001, certaines femmes voilées ont commencé à être agressées et offensées. Des théologiens et des jurisconsultes leur avaient trouvé des fatwas pour qu'elles enlèvent leur voile, et là, curieusement, le fait de ne pas être offensé, c'est le fait de ne pas se voiler. Oui. Et pour la simple raison que la lecture finaliste, vectorielle ou vectrice, était celle-là. Et d'ailleurs, pourquoi le verset coranique finit pour ne pas être offensé ? Parce que les hommes sont les hommes avec leur faiblesse d'homme, quand ils manquent d'éducation, eh bien, harcèlent ou se comportent mal vis-à-vis des femmes. À Médine, il n'y avait pas, sauf votre respect, toutes les deux, et puis je m'adresse à nos amis internautes, il n'y avait pas le tout à l'égout. Et quand il arrivait que certaines femmes sortaient le soir pour des besoins physiologiques, il y avait tel ou tel voyou qui l'embêtait. Et donc, si elle devait ramener sur elle en s'habillant d'une certaine façon, c'était une marque de distinction. Le second point que je voulais ajouter, je l'ai dit mille fois, mais je le répéterai toujours, je l'ai entendu de mes propres oreilles, je suis le témoin direct de Gamal al-Banna. Gamal al-Banna, c'est le frère de Hassan al-Banna. Je l'ai entendu en 2003 dire, c'est lui qui le dit, que les hommes et les femmes du temps du prophète de l'islam faisaient leurs ablutions dans un même bassin simultanément. Quand on sait que ça va jusqu'au coude, qu'on passe la main sur les cheveux, il n'y avait pas de voile qui tienne. Les hommes et les femmes faisaient leurs ablutions en même temps, donc simultanément, concomitamment, dans un même bassin. Donc voilà, c'est une construction tardive, récente, idéologique. Bon, cela, c'est une femme en toute conscience, parce qu'on avait culpabilisé les consciences, tient en dépit de tout à se voiler, ça devient une affaire qui la regarde, et nous ne pouvons pas tenir un colloque sur la liberté de conscience et entrer par effraction dans l'intimité de la conscience de chacun. Mais de grâce, il ne faut pas lui chercher un fondement théologique ou canonique. Je cite Mohamed Moussaoui, alors président du Conseil français du culte musulman, dire « il n'y a pas de fondement canonique à ce voilement et à l'hystérie qu'il y a derrière ». D'accord, merci pour toutes les précisions historiques notamment. Chère Leïla, on va bientôt passer aux questions du public, mais juste une dernière précision. Vous distinguez trois types de féminisme, et parmi lesquels il y a le féminisme islamique. Vous dites que c'est un féminisme qui n'est pas oxymorique, contrairement au féminisme islamiste. Est-ce que vous pouvez préciser ça, s'il vous plaît ? Comme je l'ai précisé, il y a effectivement différents types de féminisme, dont le féminisme laïque et sécularisé, qui sont historiquement ancrés dans les sociétés arabes et à majorité musulmane depuis les débuts du XXe siècle, hein, 20e, 30, années 20, 30, et il y aura une résurgence de ces féminismes-là, sociologiquement parlant, à partir des années 80, à travers des vastes mouvements associatifs, etc. Le concept de féminisme islamique apparaît à partir des années 1990, 1990, et c'est un concept qui naît à partir de l'expérience iranienne, où des femmes islamistes revendiquent une amélioration de leur statut en respectant le cadre chariatique et en défendant l'idéologie islamiste du régime. Mais il y a différentes expressions du féminisme islamique, dont notamment Sisters in Islam,
qui est une association malaisienne qui, face à la montée de l'islamisme qui a un impact sur les droits des femmes, eh bien, elle constitue une force d'opposition. Et il y a Amina Wadout et d'autres grandes figures comme Asma Lamrabet. Et au Maroc en particulier, en Tunisie et en Algérie, il n'y a pas de féministes islamiques officielles. Il y a énormément de femmes islamistes, mais il n'y a pas de féministes islamiques. La seule au Maghreb, en tout cas publique, c'est Asma Lamrabet. Et elle apparaît dans le champ discursif, pas dans le champ associatif, qu'à partir des années 2005. Alors, leur travail consiste à réaliser un travail de relecture des textes dans une perspective égalitaire. Et elles défendent une forme de féminisme islamique, mais qui aboutit souvent à une égalité, mais différenciée. Et il faut savoir que ce féminisme islamique fait face à des limites, comme par exemple au Maroc, où Asma Lamrabet avait défendu l'égalité successorale, et alors qu'elle occupait une institution officielle au Maroc et dans la Rabita, et auprès des savants musulmans marocains. Et face à cette posture-là, elle a été contrainte à quitter cette fonction. Donc, ce qui me mène à dire que ce féminisme islamique a des limites parce que il y a le conflit des lectures, des sources scripturaires, et en l'occurrence, les lieux islamiques et politiques sont dominés par les lectures patriarcales. C'est pour ça que moi, je rejoins la posture des féministes laïques, notamment tunisiennes, qui dit qu'il faut émanciper la question des femmes du discours identito-religieux pour la placer au niveau des droits publics et de la citoyenneté pour revendiquer une égalité inconditionnelle, ni conditionnée par la culture, ni par la nature, ni par la religion. Alors, c'est pas un oxymore. Pourquoi ? Parce que au sein de la sphère religieuse, elle déloge les représentations patriarcales parce qu'elles s'inscrivent dans un rapport de pouvoir en utilisant les mêmes armes théologiques, mais dans une perspective égalitaire. Mais au niveau de la sphère des droits qui touche à la famille, comme le code du statut personnel, ou au niveau de la sphère sociale et politique, je trouve que cette démarche n'est pas du tout pertinente, parce qu'on ne peut pas faire des revendications égalitaires et citoyennes à partir d'un texte médiéval qui ignore le concept moderne de l'égalité et de la citoyenneté. D'accord ? Alors, certains disent que il existe un féminisme islamiste. Moi, je trouve que cela est un oxymore. Pourquoi ? Parce que les islamistes, femmes et hommes confondus, sont les opposants systématiques et historiques des féministes dans le monde arabe et ailleurs, en s'opposant aux réformes égalitaires sous prétexte qu'on remette en question la charia, qui est vraiment une des centralités de leur projet de société. Et donc, elles ne défendent pas une égalité, mais une complémentarité des sexes, souvent sous-tendue par un rapport hiérarchique. Or, ce qui est le béaba du féminisme, qu'il soit différentialiste, universaliste, etc., c'est la revendication d'une égalité. D'accord. Merci, chère Leïla. Je crois qu'on va passer aux questions du public. Je dis simplement à nos amis internautes, si nous regardons ces choses-là, ce n'est pas par légèreté ou manque de respect ou parce que nous sommes ailleurs ou ce que dit Leïla n'est pas important. Au contraire, c'est pour voir le nombre de questions posées.
Moi, j'ai déjà noté celle de Marc, celle de Zineb, celle d'autres. Mmh. Et de toute façon, c'est elle-là qui anime avec brio cette édition et qui va nous les poser et on répondra dans le temps imparti. Mais il n'y a pas de questions taboues et nous ne choisissons pas les questions qui nous arrangent. Toutes les questions sont les bienvenues, il faut le savoir. Alors, première question, question de Zineb. Alors, je la lis. Peut-être que je me trompe, mais pour l'héritage, la Tunisie est le seul pays où femmes et hommes bénéficient de la même part. Notre amie Zineb se trompe. Ce n'est pas encore fait. Bajikaïd Sepsi voulait le faire. Il a été rappelé à Dieu selon la formule consacrée. Il rejoignait le compagnon suprême un peu plus tôt, même s'il est parti à un âge assez avancé. Ce n'est pas encore fait. Je ne suis pas sûr qu'avec Qais Saïd, les choses se régleront maintenant. En tout cas, ce n'est pas la priorité. Mais il faudrait voir. Le président actuel, en 2020, s'est opposé officiellement. Oui, en plus, c'est vrai. Contre l'égalité successorale au nom du Coran. En disant que c'était. Au nom de sa compréhension du Coran. Mais de la littéralité, en tout cas, du verset coranique relatif à l'égalité. Alors, deuxième question, question de Mourad. Féminisme islamique, finance islamique, que recouvre exactement cet adjectif islamique accolé à des concepts aussi divers que le féminisme ou la finance ? Si je veux être sévère, il n'y a aucune raison. C'est parfois pour rattraper le retard accusé dans toutes les disciplines quasiment. Donc on parle de sciences islamiques, de finances islamiques, d'économie islamique, maintenant féminisme islamique. Par cet État islamique, République islamique, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, cette épithète-là, cet adjectif, commence finalement à produire l'effet inverse. En dehors de la finance, et encore, pour des aspects purement techniques, où on parlerait de finance islamique parce qu'il y a certaines approches, le reste, l'épithète est de trop. Parler de république islamique, et là, c'est un peu comme les fameuses républiques populaires, qui ne sont ni populaires, ni républiques, ni démocratiques. Là, je ne vois pas en quoi on peut mobiliser l'adjectif islamique à coller à république, à féminisme. Il ne manquerait plus que d'avoir le ciel islamique. Maintenant, on parle, comme pour l'eau halal, enfin, les capsules d'eau halal ou le covoiturage halal, c'est-à-dire ce sont les filles qui conduisent et dans les voitures ne montent que des filles et lorsqu'il y a des garçons, ne montrant que des garçons. On va avoir une inflation au niveau du vocabulaire et une sémantique particulière dans laquelle l'adjectif islamique est bien accolé et malheureusement à contresens. Question suivante, question de Marc. À l'heure d'une norme qui envahit tous les pans de nos vies, à l'heure de l'eau halal, jusqu'où, justement, peut-on aller selon vous, cette réislamisation, Tant que le champ de la prédication, mais également les chaînes satellites, les réseaux sociaux seront animés par des acteurs de la réislamisation, qui prônent davantage une orthopraxie qu'une orthodoxie et avec une obsession de la norme, eh bien, et tant qu'il n'y aura pas de connaissances critiques sur justement la genèse et l'évolution historique de l'histoire de la pensée islamique, des dogmes religieux, en mettant en lumière justement le soubassement historique et la sacralisation de certaines normes, eh bien, et tant qu'il n'y aura pas d'autres acteurs critiques, si on reste dans le champ islamique,
qui serait davantage inscrit dans une démarche spirituelle soufie ou rationaliste, qui ne sont pas des militants comme sont les frères musulmans et le salafisme, eh bien, hélas, je pense que cette obsession normative sera toujours d'actualité. Merci. Question suivante, question de Selma. J'ai l'impression que les questions épineuses sont souvent liées davantage à des hadiths qu'à des passages coraniques. Est-ce le cas ? Oui, assurément, oui. C'est vrai, chère Selma, vous avez tout à fait raison. Il y a un problème sérieux avec ce qu'on appelle le corpus second. Il y a le corpus premier et la référence première, c'est le Coran. Et encore, les versets principiels, normatifs, législatifs, qu'est-ce qu'on peut dire encore, à disposition législative, sont très peu dans le Coran, 200 au mieux, à supposer que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente. Sur les 6236, on est à un rapport de 1 à 30. Le reste, c'est effectivement le hadith dont une bonne partie, quand je dis une bonne partie, c'est vraiment la majorité, a été fabriquée, et parfois sur ordre du prince. Récemment, quand je dis récemment, c'est le 27 avril 2021, j'entends à la télévision, par hasard, quelqu'un dire 90% des hadiths sont apocryphes. Et parfois on en a l'un et l'autre, surtout quand il s'agit des questions de gouvernance. On a le hadith qui dit « Dussions-nous faire périr les deux tiers de la communauté pour avoir l'autre tiers bien, pour réformer l'autre tiers ?» Eh bien on le ferait, ce qui paraît insensé. Et d'autres qui diront « Non, il vaut mieux obéir au prince, au gouvernant, fût-il injuste, pour ne pas fomenter la fitna, donc le désordre, le chaos, etc. » Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est de la fabrication. Et puis, il y a des hadiths dont je pense qu'ils n'ont absolument pas été dits, parce que ce n'est pas le prophète que nous connaissons et que nous aimons et qui aime les personnes, qui est une miséricorde pour les univers. Je vous le dis en arabe. « La in yudraba ahadukum bi mikhyatin ala ra'sihi khayrun lahu min an yusafiha yadam ra'a. » Allez, je traduis. Il est préférable à quelqu'un de recevoir un coup de fuseau. D'ailleurs, pourquoi un coup de fuseau et pas autre chose ? Ça serait mieux pour lui que de serrer la main d'une femme. Or, les femmes, quand elles venaient déclarer leur conversion à l'islam, eh bien, lui prenaient la main. Des femmes qui portaient allégeance à tel ou tel calife prenaient la main du dit calife. Ça, c'est aussi une fabrique bien tardive d'un hadith. Je peux vous en citer jusqu'à demain matin, les problèmes qui se trouvent dans ce corpus second, et il est temps d'y mettre un peu d'ordre. Merci, cher Aleb. D'ailleurs, on a réalisé tout à l'heure une interview pour le campus Lumière d'Islam sur l'œuvre de Mohamed Harkout, puisque vous y avez consacré un livre, et il est exactement dans cette ligne de rupture épistémologique. Il faut remercier Leïla de nous avoir donné de son temps et d'avoir enrichi notre campus Lumière d'Islam, qui est à la disposition de quiconque veut bien s'instruire. Et c'est aussi ouvert au débat et à la critique. Si les personnes ne sont pas heureuses de son contenu, ben qu'elles produisent la contrepartie et qu'on vienne. Nous sommes ouverts pour le débat et qu'elles viennent débattre. Alors, merci Leïla. Merci à vous. Il nous reste encore deux questions. Remarque de Zinouba, c'est une remarque, donc je tiens à rappeler que certaines étudiantes à l'université d'Alger ne portaient le voile que pour être sûres de ne pas être agressées. Oui, et il faut leur rendre hommage à celles-là, parce qu'il faut bien qu'elles étudient et privilégient leurs études. Et nous n'avons jamais oublié Katia Bengana,
qui a été assassiné lâchement un 28 février 1994, et son seul crime, c'est n'avoir pas porté le voile. Et de quel droit peut-on comme ça, voilà ce qui est révoltant, attenter contre l'intégrité physique et morale d'une personne pour une affaire d'option métaphysique et une question de choix personnel. Et là, ces étudiantes qui ont peur d'être agressées, c'est que la puissance publique laisse faire aussi. Et ça, ce n'est pas normal non plus. Donc Zinouba a raison. Zinouba, c'est le diminutif de Zeynep, donc qui a un beau prénom. Ce n'est pas parce que ma mère s'appelait Zeynep que et je moi, le ma dis. Grand-mère. Et ben voilà. Alors. Ouais. Et donc, elle a tout à fait raison de souligner ce point. D'accord. Enfin, la question de Zoé. Quels théologiens musulmans font le plus avancer les causes des femmes et y en a-t-il? Il y a déjà la théologienne elle-même, Amal Gharbi, la tunisienne. D'autres théologiennes, parce qu'être théologien n'est pas... l'apanage uniquement des hommes. Et puis, j'imagine, j'espère qu'en France ou ailleurs, il va y avoir, et même dans les contextes islamiques eux-mêmes, Constance Armengeon, dans son livre « Vers une nouvelle théologie en islam », eh bien, ces questions fondamentales que sont... l'émancipation des femmes, leur égalité avec le statut des hommes, etc. Enfin, le statut des femmes égal à celui du statut des hommes, sont des questions cruciales, il faut les aborder. Je vous le jure, mes amis, nous ne sortirions pas de l'ornière si nous continuions à avoir ce genre de discrimination et ce genre de rapport. Donc c'est pour ça que c'est une question de civilisation. Et c'est un enjeu vraiment de progrès humain et d'humanisme dans sa composante féminine et dans sa composante masculine. Oui, j'ajouterais pour cette question qu'il ne faut pas négliger la place des femmes théologiennes. On a notamment Karina Bahloul qui a écrit l'ouvrage « Mon islam ». Ma liberté qui participe à ce renouvellement de la pensée islamique. On a aussi une théologienne, Tabara, qui a écrit « L'islam pensé par une femme ». Donc, elle participe précisément à avoir un regard plutôt égalitaire sur les sources islamiques. D'accord. En dehors des penseurs, des chercheurs qui prennent pour objet d'étude l'islam, dont Mohamed Harkoun, qui était un fervent défenseur de l'égalité des sexes, mais il y a également Abdelmajid Charfi, il y a Yad Ben Rachoul, qui prennent à bras le corps les sources islamiques et qui défendent pleinement l'égalité, la citoyenneté, la démocratie. Très bien. Ben, en guise de conclusion, moi je tiens à vous remercier, cher Khaleb et chère Leïla, pour cette édition qui était très intéressante et qui, j'espère, a plu aux internautes. Je tiens aussi à rappeler que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et si vous voulez venir débattre avec nous, sachez que la Fondation organise le 22, mercredi, à 18h, l'AG de la SAFIF. Donc si vous êtes adhérent, vous êtes les bienvenus. Et si vous ne l'êtes pas, vous l'êtes aussi, pour venir et adhérer à la Société des Amis de la Fondation. Et encore une fois, vous êtes cordialement conviés. La Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France tient son Assemblée Générale ce 22 mars prochain à 18h, donc mercredi. Venez à la fois débattre, adhérer, faire vivre cette institution, la critiquer aussi. En tout cas, la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France est un lieu de débat, de rencontre, de soutien aussi pour nos actions. Venez, s'il vous plaît, nous avons aussi besoin de vous et de débattre avec vous. Merci beaucoup et belle soirée à vous.